Voilà, bonjour et bienvenue sur Saint-Rutherford. Donc depuis la dernière fois, j'ai fait l'acquisition donc d'un i5. Alors je vais vous montrer les options. Donc les options d'affichage. Alors en 1920 par 1080, ça n'a pas changé. Plein écran, personnalisé en preset, ça c'est normal. Quand vous choisissez vous-même, c'est personnalisé. Anti-crénelage donc x2, filtrage x2, détail des scènes haute, détail des éclairages haute. Détail des ombres moyen, j'ai pas voulu. Réflexion, je suis à fond, donc élevé, donc voilà. Détail post-processing, élevé aussi. Occultation ambiance, j'ai laissé bas. V5, non, et voilà. Donc là, je retourne en arrière. Et donc, vous voyez le jeu, là, tel que. Bon, je sais pas si c'est mieux. Allez, moi, à l'écran, c'est mieux. Maintenant, je sais pas si le téléphone, la vidéo reprend bien ce que je vois. Mais bon, donc vous pouvez voir là, voilà, le type normal quoi, c'est sans souci. Allez, on voit bien la qualité, hein. Derrière, en fait, c'est plus flou, le bonhomme est plus net. Dommage qu'il pleuve. On va voir une explosion, tiens, voilà. Je l'avais fait dans la précédente vidéo. Donc là, on va la voir ici. Ok, on va voir le feu, voilà. Bon, ça va vite, hein. Time to start the stunt, Roddy. Alors ici on peut, là je vais le faire comme ça, je vais le braquer en fait, ça va me faire des sous. Allez, vas-y. Hold up réussi, voilà, ok, ça marche. Mais non, je voulais pas la prendre en otage pour faire une photo. Vite que je parte, je suis un peu abîmé.
On voit la netteté là. Franchement, il y a une différence entre ce que je vois là et la profondeur de champ. Là, vous avez les lumières là. Voilà, on peut voir les lumières du flingue. De la chance, il y a l'aéroport pour une fois. Je pourrais prendre l'avion si je peux. Voilà, vous pouvez voir en même temps la qualité. Donc voilà, j'ai réinstallé donc. En fait, j'ai pas réinstallé Windows. J'ai juste changé la carte mère, le PROS. Et je suis passé d'un AMD à un Intel donc. Sans réinstaller Windows. En fait, normalement je sais le faire hein, ça, mais normalement on démarre sur F8 et puis après on change les drivers, etc. Là en fait ça n'a pas été la peine de le faire. Il a démarré une fois, après je l'ai rééteint, je l'ai redémarré encore une fois et la carte graphique elle s'est mise en route. J'ai tout eu, j'ai eu que quelques petits trucs à réinstaller, mais c'est rien du tout quoi, rien. J'avais déjà prévu de mettre tous les drivers sur le disque. Et quand j'ai réinstallé, en fait, il me demandait des drivers. Je lui ai indiqué le disque et j'avais fait une copie. Des disques, j'avais été sur Internet, j'ai appris les derniers drivers déjà. Et puis voilà. Et donc, j'ai rien eu à faire, quoi. Ça, juste à réactiver Windows, la licence et Office aussi, Office Pro. Donc voilà, et après, à partir de là, nickel. Et en plus, donc il est deux fois plus silencieux qu'un AMD. Il est plus puissant. Il y a moins de fils à l'intérieur. La carte sur la carte avec l'AMD, je devais brancher plusieurs fils. Là, j'en ai branché que la lime, plus un autre petit fil, c'est tout. Voilà. J'ai rien fait de spécial. Et j'ai l'impression que ça accepte beaucoup. Enfin, c'est moins gourmand, et c'est ce qu'il disait. Hein. C'est moins gourmand. Déjà, la carte, elle est moins gourmande, et le PROS aussi. Donc, en fin de compte. Et plus performant, donc c'est parfait. Voilà, je vais atterrir là, puis je vais vous laisser. On va atterrir ici. Ça va pas être le top, mais c'est pas grave. Oh, l'atterrissage de nul. Bonjour. On peut voir de près. Vous voyez de près? On voit bien quand même. On peut faire ce genre de choses aussi. On montre la voiture en même temps. Bon, je commence le jeu donc j'ai pas grand chose en fait. Hein. Donc, voilà, mais en tout cas bon ça reste très jouable et le PROS que j'ai pris est un poil moins cher qu'un. C'est un i5 3450. Il est un poil moins cher que le i5 2500. C'est bizarre. Voilà, j'ai 4 Go de RAM aussi, hein, quand même. Hein.
Voilà, vous voyez les réflexions sur les voitures. Quand même sympa. Hein. C'est super jouable, hein. Vraiment comme sur Xbox. Voilà. Enfin, c'est jouable, sauf que je suis en graphisme, je mets à plat la Xbox. Là. Allez, voilà, je m'arrête ici. Hop. Et devant ce magasin de barbier, je vous dis à bientôt. Au revoir.